Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors en premier lieu, on a dépassé les 500 abonnés et merci, merci, merci beaucoup. Je suis plus que ravie, vraiment je suis trop contente, d'autant qu'à partir des 500 abonnés, YouTube nous envoie un message pour nous féliciter en nous disant qu'on remplit un avion de ligne et waouh, tout de suite l'image, ça fait prendre conscience en fait du nombre que vous êtes. Et jamais j'aurais pensé en arriver là. Quand j'ai fait ma première vidéo, je savais pas trop si j'allais la tourner vers le cancer ou vers la beauté. Et finalement, je m'épanouis totalement à travers cette chaîne dans le domaine de la beauté green. Et merci, vraiment merci et bienvenue à tous ceux qui se sont abonnés. Merci aussi sur Instagram. Nous sommes 465, je crois. Donc c'est fabuleux, vraiment fabuleux. J'ai plein de contacts. Ça enrichit ma vie. Donc vraiment beaucoup, merci du fond du cœur. Et bien sûr, je ne vous oublie pas. Pour le concours, donc je vais vous faire une vidéo pour le concours que je vais ouvrir, je pense, pendant un mois, à la fois sur YouTube parce que bah, tout le monde n'est pas sur Instagram et à la fois sur Instagram parce que tout le monde n'est pas sur YouTube. Voilà, donc je vous en dirai plus, pardon, dans une vidéo dédiée. Mais aujourd'hui, je voulais revenir sur donc les Nuo Box que j'ai reçus ce matin. Donc j'ai fait une photo sur Instagram. Nuo Box donc d'avril et de mai. Donc ils envoyaient qu'une box parce que pendant le confinement bah, ils ne pouvaient pas envoyer celle d'avril. Donc ils ont cumulé les deux et bah, doublement contente. Surtout qu'elles sont vraiment super les deux. Donc je vais passer rapidement, contrairement à d'habitude, sur les petits livrets, juste pour vous parler des produits et pas du reste, parce que je pense que c'est pas ce qui vous intéresse, ce qui est le plus passionnant. Les livrets, vous ne les avez pas en main si vous n'êtes pas abonné, donc ça n'a pas trop d'intérêt. Sachez qu'on retrouve plein de petites informations, plein d'articles sur l'alimentation, sur la beauté, sur des marques. Voilà, donc on va se concentrer sur les produits. C'est ce que j'ai décidé de faire pour que ce soit le plus intéressant pour vous. Voilà, donc on avait comme d'habitude deux jolies cartes qui vont finir derrière. Hein, comme voilà, je les adore. Donc on avait cette magnifique jolie carte. Elles sont vraiment très très jolies, toujours très romantiques leurs cartes et j'adore. Et la deuxième, You are in house. Voilà, très joli aussi, un peu plus peps. Donc, on avait le livret du mois d'avril, donc qui est toujours super sympa, qui était la box pop, voilà, donc très colorée. Et la box du mois de mai, avec du lilas, très très joli, qui était la box blooming. Voilà, donc on va passer. Ah oui, on avait aussi un guide de l'aromathérapie par Floram, puisqu'on a un produit Floram et je l'ai feuilleté, bah, c'est super intéressant. Il y a des recettes à faire à base d'huile, d'hydrolat, enfin super bien fait. Donc je le feuilletterai avec plaisir. Voilà, donc on va commencer par la box de mai, d'avril, pardon, la box Pop. Et comme je vous l'ai dit, on avait un produit Floram. Donc ça, je suis super contente parce que bah, vous savez que les hydrolats, moi, je m'en sers énormément. Et l'hydrolat de fleur d'oranger, ben, j'adore. Donc, j'ai rien ouvert hein, parce que je l'ai reçu tout à l'heure. L'eau florale bio de fleur d'oranger, voilà, bio, fabriquée à Saint-Rémy-de-Provence, 200 millilitres, donc un full size. Je n'ai pas ouvert. Moi, j'adore hein, de toute façon la fleur d'oranger. Oh, la brumisation est très fine. Oh, ça sent très, très bon. Ça sent très très bon, moi j'adore, j'adore. C'est une eau florale qui est vraiment apaisante pour la peau. Tous les types de peau, détente et sommeil, oui, on peut en mettre sur l'oreiller, mais moi ce sera vraiment pour ma peau, pour parfaire en fait, pour enlever le calcaire et rétablir le pH avant d'appliquer mes autres soins. Je suis super contente. Donc voilà, alors qu'est-ce qu'ils en disent? Véritable must-have de beauté, l'eau florale d'oranger, réputée pour ses vertus régénérantes et apaisantes, tonifie et illumine tous les types de peau, en plus de son doux parfum fleuri et délicat qui favorise la détente et le sommeil. Ah oui, elles sont très 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 bon. Hein. Pour encore plus de propriétés, conservez-la au frais entre chaque utilisation, c'est ce que je vais faire. Voilà, donc 100% du total d'origine naturelle et 98% bio. Voilà, bah on peut pas faire mieux. Hein. Donc j'étais super contente d'avoir ce produit.
Ensuite, Nuobox a rentré une nouvelle marque qui s'appelle Belle et Bio. Donc là encore, on a un full size. Belle et Bio, et on a un masque hydratant. Moi, j'adore les masques surtout hydratants. Alors, qu'est-ce qu'ils nous en disent? Donc, je vous le montre. Donc, je sais que Julie, donc, qui s'occupe du site Nuobox et qui présente chaque mois les produits, l'a montré en action. Et il me plaisait beaucoup, enfin, ne serait-ce que quand je l'ai vu l'appliquer sur la peau, je me suis dit, ouais, il doit être super doudou comme masque. Donc, un masque hydratant de Belle et Bio, pourquoi nous adorons ce produit? En ce changement de saison, rien de tel que notre peau assoiffée, pour notre peau assoiffée, pardon, que de faire le plein d'hydratation avec ce masque ultra hydratant signé Belle et Bio. À la texture légère et crémeuse, il est enrichi en aloe vera hydratant, donc ça c'est super, en pommes régénérantes, en huile d'argan et en beurre de cacao, protecteur et nourrissant. Tilleul, eau florale d'immortel, baobab et amande douce s'ajoute à la formulation de ce masque tout doux pour apporter des vertus adoucissantes et apaisantes à votre peau. Bref, un régal dans un seul tube. Ah, je suis pressée, hein. Alors, appliquez sur l'ensemble du visage en couche uniforme une à deux fois par semaine sur une peau propre et sèche. Laissez agir 5 à 10 minutes, puis rincez avec un coton humide ou de l'eau. Faites pénétrer l'excédent si nécessaire. Alors, 99,1 du total d'origine naturelle et 64,3 d'ingrédients biologiques. Donc, très bons ingrédients et j'ai hâte de le tester parce que moi, les masques hydratants, j'adore. Donc, je vais vous montrer la texture que je découvre avec vous, même si je l'ai vue sur Julie. Voilà. C'est une crème comme ça, une crème opaque, rose. Ah oui, c'est... Ça sent rien de spécial, c'est un peu les fleurs, mais les fleurs naturelles. Voilà, donc moi les masques crème doudou comme ça, j'adore. Même à laisser appliquer toute la nuit. Hein. Ça va être très très agréable. Donc je suis très très contente d'avoir reçu ce produit. Et c'est une nouvelle marque que Nuo a rentrée. Donc voilà, je pense que ça va être génial. Ça a l'air bien adoucissant par rapport à ma main qui n'a rien. Et toutes mes taches de soleil, protégez-vous du soleil surtout. Alors ensuite, on a eu. Alors soit on avait un baume solide gourmand de l'Amazona, j'aurais préféré recevoir ça, qui était un baume au beurre de cacao solide, tout simplement. Soit on avait, donc c'était ça. Vous savez qu'on remplit un profil beauté sur Nuo et qu'ils nous choisissent les produits en fonction de notre profil beauté. Donc ça, c'est génial. Ou on avait un rouge à lèvres beau green en teinte 313. Et il va être pour vous dans le concours. Donc je pense que vous allez être contente. Donc je ne l'ai pas ouvert. Hein, il est operculé. Voilà. Donc un produit make-up. Et là, l'opercule, j'ai vu ça tout à l'heure. Non, ça c'est le mien, c'est pour ça qu'il est beau operculé, c'est pour vous montrer la teinte. Voilà, il est operculé, donc celui-ci c'est pour vous, c'est la teinte 313. Et si vous me suivez, vous savez que je l'ai, voilà. Donc il est pour vous dans le concours, je suis ravie de vous l'offrir. Et c'est cette jolie teinte. Voilà, un joli groseille, hein. Ça ne vous étonnera pas si j'ai ça dans ma collection, vu que j'adore les rouges à lèvres un peu pétants, cerises comme ça. Et donc celui-ci, il rejoint la boîte pour vous, que je vais vous révéler en finalité. Hein, ce sera vraiment le contenu de la box dans une très prochaine vidéo. Voilà, je suis trop contente de vous offrir ça pour vous remercier. Et je crois que c'était tout. La découverte du mois. Ah oui, et on avait, ça je trouve ça génial. Je vais les planter. Ils nous ont offert 50 graines de graines de calendula. Voilà, à planter. Donc je suis super contente parce que il y a une Instagrammeuse avec laquelle je discute beaucoup qui se reconnaîtra, donc Claire, qui fait du macérat de calendula, pardon. Tout simplement, vous en trempez les fleurs de calendula. Pourquoi je veux dire calendula? Calendula dans de l'huile végétale. Et après, elle filtre et ça fait un macérat. Donc, je vais voir si ça pousse et puis je vous en dirai plus. Mais ouais, j'ai trouvé ça hyper sympa comme idée. Voilà, donc on s'arrête là pour le petit livret, hein.
Le reste ne vous intéresse pas spécialement. Et ensuite, la box de mai, qui est très sympa aussi, encore plus sympa que la box de avril. Alors, on avait soit un soin la canopée, un nettoyant, le nettoyant la canopée qui est très connu au charbon, donc le nettoyant détoxifiant, la gelée, comme ceci. Donc ça, comme moi j'ai une peau sèche, déshydratée, ils ne me l'ont pas envoyé. Ils m'ont envoyé, et je suis trop contente, le lait douceur vanille nettoyant, donc vanille amande, 100% d'origine naturelle, donc de la canopée en full size. Je suis trop contente. Il y a plein de personnes sur Instagram qui m'ont dit que c'en était à leur troisième ou quatrième tube, tellement il est chouette. Donc vous voyez, il y a plein de petits grains de vanille à l'intérieur. Et il paraît qu'ils sont très 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 bons, donc on va voir ça après. Donc la gelée noire purifiante, bon, je ne l'ai pas reçue. Il paraît qu'elle est très très bien aussi, qui est très connue, hein, chez la Canopée. Et donc le lait démaquillant vanille. Donc c'est marrant parce qu'ils disent lait démaquillant vanille, mais là c'est marqué lait douceur vanille. Donc je ne l'utiliserai pas en tant que démaquillant. Pourtant il y a marqué qu'on peut l'utiliser en tant que démaquillant, mais non. Je l'utiliserai en double nettoyage, en revanche avec plaisir, ou le matin pour faire un nettoyant doux. Alors, le nettoyant cocooning par excellence, il va démaquiller et nettoyer toutes les peaux en douceur. Sa texture lactée et gourmande, parsemée de graines de vanille, va ravir vos sens. Les petites graines de vanille vont délicatement extraire les impuretés de votre peau et activer la microcirculation quand le lait se chargera de dissoudre le maquillage et les impuretés. Ça doit être génial, donc je vous le montrerai dans une routine. Pourquoi pas ce soir d'ailleurs. Nos conseils d'utilisation. Prélevez une noisette de lait démaquillant au creux de la main, appliquez par massage circulaire sur l'ensemble du visage et du cou en évitant le contour des yeux pour éliminer le maquillage et les impuretés. Donc vous voyez, s'il faut se démaquiller les yeux avec un produit et le reste avec celui-ci, je ne vois pas trop l'intérêt. Donc s'il faut éviter le contour des yeux, pour moi ce n'est pas un démaquillant. Rincez à l'eau tiède, puis brumisez votre tonique et appliquez votre soin. Ben voilà, on va brumiser la fleur d'oranger. Eh bien, très bien. Qu'est-ce que ça contient? De l'huile de prune, des ferments, de l'huile de tournesol, de l'acide lactique. Ben voilà, ils ne disent pas le nombre de le pourcentage de bio et de naturel. Bah, il y a beaucoup de tout ce qui est huile, etc. C'est issu de l'agriculture biologique. C'est un packaging recyclable. Il y a marqué recyclez-moi. C'est valable 6 mois. 100% naturel et c'est fabriqué à Grasse. Et c'est vegan. Voilà, il y a la petite carotte vegan. Je trouve ça trop mignon. Donc j'ai hâte de le tester. Et les petits grains de vanille, moi j'aime bien quand il y a des tout petits grains, vous savez, très fins. Donc voilà. Et ensuite, je suis trop contente aussi, nous avons un gommage envoûtant des laboratoires de Biarritz et Julie, donc de Nuo, quand elle l'a montré, il paraît qu'il sent très 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 bon le monoï, enfin voilà. Donc c'est un body scrub, donc toujours en full size, des laboratoires de Biarritz, gommage corps Océane, 200 ml, donc il y a de quoi faire. Ben, on va regarder le. Je ne vous ai pas montré le lait. Est-ce qu'il est operculé? Non. Donc voilà, ça se présente en tube comme ça. Voilà. Un petit lait avec tous les petits grains de vanille. Je pense que vous pouvez bien les voir. Ouais, c'est très doux, hein. C'est vraiment un lait. Donc ça, à mon avis, pour démaquiller, voilà, on voit bien les petits grains de vanille partout. Ça sent très très bon. Très 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 bon. C'est pas entêtant. Non, c'est pas entêtant, mais on sent bien la vanille. Mais une vanille naturelle. Très très agréable. Pour en revenir à notre gommage. Alors, il exfolie la peau tout en douceur, la laisse lisse et agréablement parfumée. S'utilise sur peau sèche ou humide 1 à 2 fois par semaine. Soit on fait comme on veut, hein, de toute façon, les gommages. Hein. Gommer en effectuant des mouvements circulaires, puis rincer. Tout type de peau. Alors, 99,6% du total d'origine naturelle, 77,4% issus de l'agriculture biologique. Ça, c'est pas mal, hein. Est-ce qu'ils nous en disent plus chez Nuo?
Certifié bio, exfolie la peau en douceur, la débarrasse de ses impuretés et la laisse lisse et soyeuse. Sa texture onctueuse gomme délicatement tout en apportant un parfum envoûtant d'été. Enrichi en micro-algues siliceuses et en sable d'origine volcanique, ce gommage à fine de grain de peau est là sublime. Eh bien, nous allons voir ça. Se présente comme ça, donc il est assez foncé. Ah, j'aime bien la texture déjà. J'aime bien cette texture un peu gelée comme ça. Ah oui, on dirait du miel. Ah, c'est très gras. Enfin, c'est très gras, c'est pas péjoratif, hein. Ça a l'air bien nourrissant. Ça sent bon. Ça sent le monoï, effectivement. Ah, ça doit être bien, bien gommant. Bah, je vais faire ça sur ma main. Ah, bah, comme c'est gras, bah, ça va m'enlever le rouge à lèvres. Ah, ça gomme, mais tout doucement. Alors, il n'y a pas de perte, contrairement au gommage avec trop de sucre, parce que ça accroche la peau. Et à mon avis, quand on rince, il y a vraiment une pellicule huileuse. Ça sent très très bon, c'est très prononcé. Et ça sent le monoï. C'est un délice. Donc voilà, je vais avoir la main bien exfoliée. Ah, j'adore, je suis trop contente d'avoir ce produit. Un délice. Je ne sais pas si vous connaissez, moi je n'ai jamais eu de produit laboratoire Biarritz. Et la canopée, j'avais eu un gel douche dans une Neo Box l'année dernière, mais je n'avais pas aimé. C'était celui à normalement qui sentait les tropiques. Enfin, voilà, mais ça sentait pas bon, je l'avais pas aimé, je vous en avais parlé. Celui-là sent très très bon laboratoire de Biarritz. Je suis très contente. Et ensuite, on a eu une crème corps, donc un format voyage, hein, donc je ne vais pas faire tout mon corps avec, hein, vous voyez mon corps, c'est pas possible. Voilà, mais c'est un format voyage, hein, c'est pas un échantillon. Il fait 40 millilitres. C'est une crème corps essentielle, elle s'appelle la Cremo Fresco. Alors, Beleza, c'est une marque française qui est située dans les Cévennes et qui utilise des ingrédients des Cévennes, donc de la châtaigne des Cévennes, voilà. Hydrate, adoucit, apaise tout type de peau. Alors ça, c'est un circuit court, voilà, parce qu'ils utilisent des ingrédients locaux. Et Julie, quand elle l'a essayé, disait que ça sentait très très bon aussi. Alors, Beleza veut dire beauté en occitan. Utilise les trésors des Cévennes pour offrir aux femmes à la recherche d'efficacité et de bien-être des produits cosmétiques authentiques recentrés sur l'essentiel. Enrichi en actifs cévenols, extrait de châtaigne, ben voilà, huile d'olive pitcheline. Alors moi, comme j'ai vécu dans le sud, les pitchelines, ce sont des olives toutes allongées qui sont vraiment du sud de la France. Du jus de pomme rainette du Vigan, donc c'est pareil, c'est vers les Cévennes à côté. Du miel et de l'extrait de mauve. Cette crème onctueuse procure instantanément une hydratation intense. La peau retrouve confort et douceur. Son action est durable et son utilisation sera un moment de pur plaisir au naturel. À appliquer selon vos besoins sur le corps, les mains et les pieds de toute la famille. Fabriqué dans le sud de la France avec soin dans le respect de l'homme et de la nature, 100% d'ingrédients d'origine naturelle. Bon, bah voilà, hein. Donc moi ce sera pour les mains, hein, je pense. Elle est operculée, donc on va sentir ça. Paraît qu'elle sent très bon, donc moi vous savez que j'adore quand ça sent bon. Donc je vais pas la mettre au même endroit, je vais la mettre dans le. Sur le. Oh là! Elle coule vite, hein. C'est une crème. Voilà, elle est là. C'est très. Ça s'étale très bien, donc je pense qu'il n'en faut pas beaucoup. Voilà. Je suis pressée de sentir. Ah, elle s'étale, vous voyez, elle est très fluide, donc il n'en faut pas beaucoup. Ouais, elle sent bon. Elle sent bon. Je suis pas trop fan de l'odeur. Je suis pas trop fan de l'odeur. Ça. Ou alors c'est le mélange avec les autres produits, je sais pas. Ça sent le frais, mais un peu le rance. Ça doit être le mélange avec les produits que j'avais déjà. En tout cas, elle laisse pas de fini gras et elle a l'air très douce. Donc ça, je vais l'utiliser sur les mains, enfin les mains et les avant-bras le soir. Je vais la mettre sur ma table de nuit. Ouais.
C'est pas mauvais d'avoir une petite crème comme ça. Et puis je suis en train de terminer la Velleda, la Skin Food, qui est bien épaisse pour l'hiver. Mais je suis contente de la terminer là parce que bah, on est en été et on a besoin de textures un peu moins riches. Donc c'est très bien. Et comme ils nous offrent toujours un goodies, enfin une découverte du mois, là c'était les petites graines, et là un truc qui, bon, je vais pas l'utiliser, c'est Seven Mind, les antisèches du bonheur. C'est une application de méditation, donc un mois d'abonnement offert. Je vais vous donner les codes si vous voulez les utiliser. Je sais pas si ça se fait, mais moi je ne les utiliserai pas, donc j'en ai deux. Vous téléchargez l'application et vous mettez ce code-là et vous avez un mois de méditation. Donc voilà le premier code si vous voulez faire une capture d'écran. Et le deuxième. Je ne sais pas si j'ai le droit de faire ça, mais bon. Voilà. Moi, j'utiliserai pas parce que j'ai déjà des applications où je vais sur YouTube pour quand je veux méditer, enfin méditer, me détendre le soir. Donc, j'ai pas besoin de télécharger cette application. J'ai trop de choses téléchargées sur mon iPhone déjà. Donc après, ça, c'est vrai que ça surcharge un peu le téléphone. Voilà. Donc, je suis hyper contente. Alors, quels sont les produits pour lesquels je suis hyper contente? Eh bien, tous les full size, le full size de Flora, l'eau de fleur d'oranger, je suis hyper contente. Le masque hydratant qui a l'air super, le doudou là, de Bel et Bio, le masque doudou. Hyper contente aussi, mais comme nettoyant, de la canopée, lait douceur vanille, amande, vanille amande, avec les petits grains de vanille. Donc je pense que là, je vais adorer. Et le gommage corps qui sent très, 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 très bon. Et donc j'aime énormément la texture parce qu'elle est huileuse et que une fois rincée, je pense qu'il n'y a pas besoin d'appliquer de produits corps. Donc je vous le remonte des laboratoires Biarritz. Et bah, cette petite crème, c'est toujours bien. Je vais la mettre sur ma table de nuit pour le soir. Elle laisse vraiment la peau très 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 douce, hein. Ouais, vraiment, et pas grasse du tout. Donc ça c'est super. Et ben, je suis contente aussi du rouge à lèvres. Donc en fait, j'aime tout. Les petites graines, je suis très contente parce que je vais les planter. Et bah, les cartes de méditation, pourquoi pas. Si vous voulez en profiter, allez-y. Et lui, ben, il est pour vous. Je l'ai mis dans la boîte. Le beau en teinte 313 qui est magnifique. De très bons rouges à lèvres. Donc je suis ravie. Voilà. Ça vous fait un cadeau de plus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Nuo, vraiment là, et depuis qu'on avait un peu fait un coup de. Passer un coup de gueule, je crois, cet hiver ou un petit peu avant, à l'automne, comme quoi les box étaient bof. Ils se sont bien rattrapés, donc bravo, bravo à eux. Et moi, je suis toujours ravie de cette box parce qu'à la fois on découvre de nouvelles marques comme Bel et Bio que je ne connaissais pas, et à la fois on a des marques connues. Voilà, parce que moi, j'aime pas trop m'aventurer dans les marques. Que je connais pas, quoi. C'est peut-être bête, mais j'aime bien avoir déjà des avis des youtubeuses, des avis sur les forums, des avis sur Instagram. Voilà, que ça ait déjà été un peu testé, approuvé, plutôt qu'on balance des marques que je ne connais pas. Voilà, je préfère vraiment, et c'est ce que j'aime dans la New Box, c'est qu'on a vraiment des produits, bah, des marques qu'on connaît, et toutefois des produits qu'on ne connaît pas, parce que voilà, la Laboratoire de Biarritz, ce gommage, typiquement, je le connaissais pas et je vais être ravie de l'utiliser. Et cette petite nouvelle marque là qui m'a l'air vachement bien avec une très très belle composition. Et tout ça made in France, hein, tous les produits sont made in France, donc super. Ouais, l'intégralité des produits sont made in France, donc bravo. Voilà, ben, je vous mets la vidéo tout de suite et puis je vous fais des énormes bisous. Je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Promis, le concours arrive. Voilà, je vous embrasse très très fort. Portez-vous bien.